International des enfants de Mali. À vrai dire, nous sommes à la deuxième édition. La première édition, nous n'avons pas communiqué dessus, mais comme nous avons fait une visite d'une manière spontanée au sud de Cocody, et nous avons vu les besoins qui se présentaient devant nous, qui étaient vraiment énormes. Et nous avons promis de revenir pour pouvoir aider comme on peut, avec la grâce de Dieu, nos enfants qui sont en pédiatrie. Et Dieu nous a mis à cœur d'organiser ce concert. Et donc, une partie des revenus iront vers nos enfants en pédiatrie au sud de Cocody et au sud de Trècheville. Et au sud d'entrée. Donc voici un peu le contexte de cette rencontre. Et pour nous accompagner dans cette grande fête, parce que le Rassemblement international de la Vierge Marie, nous le voulons parce que c'est la première qui a posé vraiment un acte d'amour aussi puissant et fort envers l'humanité. Et nous savons, c'est vrai que nous ne sommes pas théologiens, mais nous savons avec ce que nous avons appris, qu'en Israël, à son temps, si tu n'es pas marié légalement, et qu'on t'attrape parce que tu es allé avec quelqu'un, tu es condamné à ce qu'on te lapide jusqu'à mort. Et elle, elle était encore toute petite. Elle avait encore toute la vie devant elle. Et un matin, on lui dit, tu vas mettre au monde un fils, qui va s'appeler Jésus, qui va sauver l'humanité, et elle a accepté de le faire. En plus de ça, quand on prend le psaume 22, la Bible nous enseigne que Jésus était venu comme un père. Donc imaginons-nous tous la douleur de cette femme en voyant son fils qui souffre pour des gens ingrats, des gens qui ne sont même pas reconnaissants, mais qui n'a jamais dit à son fils, laisse tomber. Abandonne, ils sont méchants, laisse. Mais parmi ces personnes qui étaient là, il y avait tout le monde. Il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des chinois. Tout le monde était là.
et elle a accepté de donner ce qu'elle avait de plus cher, son fils, pour que nous soyons sauvés. Donc nous sommes dit, avec la grâce de Dieu, que la prendre, l'honorer ce jour-là, c'est aussi honorer l'amour. Aussi, c'est vrai que nous avons fêté la fête des mères, mais pour nous, catholiques, nous disons qu'elle mérite d'être célébrée aussi comme une mère. Elle mérite qu'on lui dise merci. Elle mérite qu'on prenne un temps pour lui dire vraiment merci pour ton courage. Merci pour ce que tu nous as donné comme don. Parce que si Marie a fait ça, et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui, autant pour moi, c'est ce qui nous a permis de pouvoir voir les évangéliques, les catholiques, les protestants, c'est parce qu'elle a dit son oui que chacun d'entre nous, nous avons tous existé. Donc sans son oui, il ne l'aurait pas des religions. On n'allait pas avoir des pierres, des gens, des gens qui allaient suivre quelqu'un qui s'appelait Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi à Elie Chabat, nous avons décidé de lui dire merci. Et le deuxième volet, c'est que comme elle-même, elle incarne l'amour, et après qu'on ait dit merci, on va aller aussi vers nos petits-enfants qui sont innocents, qui n'ont pas demandé de tomber malade. Et que on peut dire la vie les a rendus comme ça. Les aider à retrouver le sourire, les aider à retrouver la santé. La première fois que nous sommes allés au sud, je vais finir par là, nous avons rencontré une bébé qui devait payer des antibiotiques qui coûtaient près de 14 000 francs. Et quand nous sommes arrivés, Dieu a fait grâce, on lui a donné une certaine somme. Et la dame a dit quelque chose pour ceux qui étaient là, même le corps médical ce jour-là coulait des larmes, même s'il y avait des musulmans au milieu de nous par ce jour-là. Elle a dit que le matin, elle allait à la grotte à cet ombre. Et elle a demandé à la Vierge Marie vraiment de l'aider à pouvoir avoir de l'argent pour soigner son enfant. L'enfant était en train de mourir. Elle avait besoin de 10 antibiotiques. Donc, un coût de 14 500. Et quand nous sommes arrivés, nous l'avons remis une somme. Et la somme couvrait tous ses soins jusqu'à la sortie. Et quand nous avons vécu ça, on s'est dit, mais attends, voir une maman d'un certain âge, il pleure parce qu'elle n'arrive pas à soigner son enfant. Pourtant, dans la Bible, il y a un passage que j'aime bien qui est le test d'appel de la fondation, Romains 8, verset 19 à 20. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et moi, le Seigneur m'a fait comprendre ce test-là autrement. Il m'a fait comprendre que la création est des gens puissantes. On a des gens dans ce monde-là qui peuvent être détruits. Et puis, il n'y a rien, on ne peut rien faire. Il y a des gens qui peuvent aujourd'hui décider de te faire. Et tu seras milliardaire. Mais il y a toujours quelque chose que tu dois leur donner en retour. Mais il y a une seule chose que la création attend avec un ardent désir. Et l'habitude est que quand le coq chante le matin, ce n'est pas pour annoncer l'heure qui arrive, mais plutôt cette prière, parce qu'il demande au Seigneur, comment tu vas t'arranger pour qu'aujourd'hui, là, celui qui va manifester l'amour vrai sans intérêt va naître au milieu de nous. Et c'est ce que la Fondation essaye de faire, donner un amour à ceux qui y manquent et à ceux qui pensent qu'ils ne manquent pas d'amour, on leur donne. Tu prends, tu reçois, on donne autant qu'on peut. Affairage en promo. Quand tu me vois, tu me félicites, bravo, mais dans mon dos, tu me vois, il y a 10 poisons. Quand tu me vois, tu me félicites, bravo, mais dans mon dos, tu me vois, il y a. Pourtant, dimanche dernier, j'étais ta voisine à l'église. Tu m'as même souri, embrassé, fait la paix du Christ. Car pourtant, voulu que nous soyons des amis, tu ne sais rien de moi, mais raconte pour voisinage. Pour un bon chrétien, pourquoi ne pas lire la Bible? Priez pour ta frère, Jésus serait glorifié si. Affairage, affairage, oh,
Affairage, mon gourou. Affairage, est-ce qu'on peut le prendre? Affairage, mon papa. Affairage, mon gourou. Affairage, encore. Affairage, mon gourou.